Jean-François a bien passé la POC, comme on dit, ce qui fait que j'étais extrêmement nerveux, mais j'ai fait vraiment mes devoirs. Parce que quand tu embarques comme réal dans une série qui est déjà faite, là, il faut que tu accotes la patente, là. C'est pas comme si tu pars une série avec ta signature. Là, il faut que tu t'imbibes la signature qui est déjà établie, puis faut pas que tu te trompes, parce que, je veux dire, c'était là déjà, là. Fait que j'ai vraiment beaucoup étudié la manière qui s'était faite, Mais il y a moi. quelque chose d'intéressant, c'est qu'on n'a pas fait cinq épisodes. Là, Jean-François n'a pas fait cinq épisodes, puis Robin, cinq épisodes. C'était les 10 sont en désordre. Ah, ouais. Fait que donc, Jean-François a fait la moitié des épisodes. Là, il a fait la moitié du tournage, puis Robin a fait la moitié. Fait que dans chaque épisode, il y a du Robin et du Jean-François. C'est vraiment de la co-réalisation. Ouais, des fois, ça commence avec une scène réalisée par Jean-François, puis on enchaîne avec une scène réalisée par Robin, puis tu vois pas le... Il y a même des scènes où Jean-François fait un bout, puis Robin fait la fin. On voyait pas la... Jean-François et Robin étaient présents les deux en montage aussi. Tu sais, ouais, okay. Donc, okay. Puis le blend, c'est vraiment bien fait. Puis je trouve que l'arrivée de Robin dans la deuxième saison, je trouve que ça fitait aussi avec le ton de la deuxième saison, qui est plus un peu noir. Et, vous avez vu Les Affamés, peut-être? Oui. Ouais. Puis tu as fait des films qui sont plus... plus grave, tu sais, des films d'horreur. Mais il y a ça dans la deuxième saison aussi. Puis je trouve que Robin, il a vraiment, t'as vraiment apporté ça, le côté plus dark. Puis ouais, mais je veux dire, les références de François puis de Jean-François sont, tu sais, leurs références, c'est De Palma, il y a des références d'horreur quand même. Ils connaissent leur cinéma. C'est comme s'ils apportaient le cinéma aussi à la télévision. Ça, c'est super intéressant. Mais évidemment, on fait pas. On fait de la télé. Ouais. On va pas se faire accroire. À un moment donné, je dis, Chris, ouais, mais c'est pas cinéma, ce plan-là. Ou je me souviens pas. François, il dit, ouais, mais on fait de la télé. Il avait raison. Tu sais, c'est comme, attends une minute, là. Faut le faire pour le spectateur, faut pas le faire. Puis, il y a une différence quand même. Mais tu sais, il apporte les gars beaucoup, beaucoup de cinéma dans la télévision, ce qui fait peut-être que les gens aiment la série de François. Là.